Bonsoir et bienvenue sur Club Pro TV, la chaîne de vos retransmissions live du Club Pro. Nous sommes ce soir là pour une émission Téléclub. Téléclub que Freestyle nous a organisé pour cette soirée. Donc avec moi, il y aura donc pour animer donc Freestyle et Mehdi. Bonsoir les gars. Salut. Salut JK. Donc voilà, petite émission spéciale ce soir, j'espère que vous êtes motivés là, pas mal de petites nouveautés à mettre en place pour ce soir. Bah complètement, et en plus de ça on a vraiment un programme de feu, donc ça va être un premier téléclub, mais un premier téléclub très violent. Tout à fait. Donc voilà, voilà, on vous a prévu plein de petites choses, un bon programme, on va parler de la D1FVPA, on va avoir des résumés... on va vous parler un peu voilà, de Téléclub, on va parler du bug et de la match de FIFA là, qui arrive avec le Club Pro. On va parler du Media Club Pro. Avec nous ce soir, on aura aussi Sino qui va nous parler un petit peu de FVPA et de tout ce qu'on va parler ce soir. Un beau petit programme en prévision. Complètement, et aussi on va avoir une très grosse annonce qui va arriver aujourd'hui, ce sera le message de la commu. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, puisque il faut le dire, on sera là normalement chaque semaine, c'est-à-dire que tous les jeudis soirs, vous avez fini votre semaine de Club Pro, vous êtes là et vous pouvez savoir ce qui se passe, etc. Vous allez kiffer pendant une heure. Alors, le message de la commu, c'est très simple, c'est des personnes qui viennent et qui vont s'exprimer, et aujourd'hui c'est pas n'importe qui puisque c'est Balou et Kedo qui vont venir, et je crois que JK tu l'as annoncé sur Twitter, ça va parler équipe nationale. Voilà. Ça va parler équipe nationale ce soir, voilà, on va avoir des intervenants qui vont nous parler un peu de tout ça, là on va voir bien ça en détail ce soir, on va en parler, on va en débattre. Alors je vous rappelle, hein, la chatbox elle est là pour vous. N'hésitez pas à parler dedans, à partager, à communiquer avec nous, comme d'habitude, on sera un plaisir de vivre tout ça avec vous, hein, comme on le fait à chaque fois. Et donc voilà, pour cette nouvelle émission un petit peu spéciale, où on parlait tous ensemble, n'hésitez pas à partager un maximum, c'est primordial. Complètement primordial. Alors, est-ce qu'on commencerait pas peut-être avec ce qui nous intéresse? Excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de dire le jeu. Il y a eu une seule journée qui a pu se jouer. Alors, le problème, c'est les serveurs. On le sait tous. Bon, peut-être si vous nous découvrez, si vous découvrez Club Pro, pour jouer, il faut faire des matchs amicaux. Donc, taper le nom du club adverse. Et ça marche pas. Depuis que FIFA 18 est sorti, c'est la merde. Et donc, il y a eu une seule journée de jouer. C'est celle du lundi. Au lieu de 3, normalement, lundi, mardi, mercredi. Cela dit, nous, on était là et on a préparé quelques résumés. Je sais pas, JK, si tu penses que c'est le moment d'attaquer le premier. Eh bien, on va peut-être pouvoir attaquer, oui, voilà, le premier résumé de cette soirée. Donc, résumé commenté par Julien Bricard, alias Ifstud. Donc, qui opposait donc Bestouronflex à Estudiantes. Donc voilà, on va vous mettre tout ça, on va vous laisser profiter et on se retrouve tout de suite après. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au La Benoît Arena pour la première journée. La journée inaugurale de cette Ligue 1. Tout le monde a énormément de fourmis dans les jambes. Et Bestouronflex reçoit l'Estudiantes. Bestou l'an passé 6ème de Ligue 1 face à l'Estud qui avait terminé sur le podium en 3ème position. Allez, ça démarre avec Jonah qui cherche le deuxième poteau pour Farrell. Repris de la tête par Max, l'ancien joueur d'Hypnotique. Il y a eu énormément de recrues du côté de Bestou et du côté de l'Estudiantes aussi.
même si beaucoup connaissent la maison. Allez, Jesse, on est à la 24e minute. Tomer s'élance. Tomer s'élance. De nouveau pour Jesse, pour Jonah. Eh, bien pris par Baifeago qui peut relancer directement en une touche pour Messi. Lui aussi en une touche pour MLKZ, l'ancien de We Will Rock You. Inferno. Inferno qui temporise. Elle va les contrer par les lèvres. Frappe d'Inferno. Il a l'air d'être chaud. Et l'arrêt de Brian, l'ancien gardien d'Italian Tigers, champion d'Europe la saison passée sur FIFA 17. Allez, Soulja, Imed, Jonah, superbe talonnade pour Soulja Boy. Torsi en retrait, Kikiro, de nouveau pour Torsi. Ouais, cafouillage, ça se bat. Jonah aussi qui vient se mêler à la lutte. Jonah encore, la frappe de Jonah et le bel arrêt. Bel arrêt de Steven. Allez, Soulja Boy. Kimura. Qui vient trouver Jonah. Torsi en une touche pour Soulja qui a du champ. Il a Tonio face à lui, préfère la donner à Farrell. La frappe, bouh, il a frappé pied droit de Farrell. Contré en deux temps. Stoppé en deux temps par Steven. D'abord du pied et ensuite il a été le plus prompt à se jeter sur le ballon. Et c'est reparti tout de suite. Inferno pour Twitz. En deux temps, waouh, Twitz entre Tomer s'élancé et Farrell. Il est passé la frappe. Centre-tir de Twitz qui aurait pu marquer le plus beau but de la saison dès la première journée. Et derrière, c'est une contre-attaque fulgurante de l'Estudiantes avec Soulja. Soulja pour Jesse. Jesse pour Jonah, côté droit. Il va peut-être chercher à centrer. Non, c'est pour Torsi. Et belle intervention d'Inferno. Et la mi-temps sur ce score de 0-0. Légère, très légère domination de l'Estudiantes. Mais les occasions les plus dangereuses ont été à mettre au crédit de Bestou. Attention, Mouch, contré par Lélé. La frappe qui revient sur Inferno. Inferno Big 1-0, ouverture du score pour Bestou Ronflex chez eux. Bestou de la tête un petit peu dans le saut au début de cette mi-temps. Allez, Tomer s'élance. Le centre, et c'est Messi qui va la mettre en corner. 50 minutes de jeu, il n'y a rien de rédhibitoire. La frappe de Soulja, sortie par Max une nouvelle fois, qui fait un très gros match derrière. Kimura, deuxième tentative, mais contrée par Baifeago. Messi. Ah oui, Messi, ballon perdu. Jonah, il y a un 3 contre 3 à jouer. Soulja Boy. Ouh, la frappe de Soulja encore arrêtée par Steven, l'ancien gardien de Never Say Never. Allez, Brian. Brian qui a trouvé Soulja. Soulja peut-être. Oui, en une touche pour Kiki, lui aussi en une touche pour Torciso. Imed, Jonah. Allez, les Estudiantins qui sont plus fringants. Baifeago qui se rate. Le centre de Farrell, sorti par Tonio. Encore Farrell. Oh, et ça cafouille. Allez, ça se dégage. Allez, 77e minute. Bestou qui a l'air pas mal. Mais attention, Jesse à la récup. Torsi. Torsi pour Jonah. Jonah pour Soulja. Le 1-2 avec Jonah. Frappe contrée. 79e minute. Le temps qui court. Qui nous rend sérieux. Jesse, Farrell, Jonah conserve le ballon. Il a du monde avec lui. Jesse Torsi en une touche pour Farrell. Et encore une fois contré par Max B qui fait un match énorme. Farrell côté gauche. Il a enfin du champ. Il peut centrer. Kikiro qui est rentré. La remise pour Soulja. Le contrôle. Et le but. But pour les Estudiantes. Un partout. Soulja Boy. L'égalisation sur cette passe de Kiki. Cette remise magnifique. Attention, il va rester 5 minutes. Et les Stud qui est en furie. Torsi la frappe. Frappe de Torsi à côté. Dommage. Allez, Imed. Oh là là, ballon perdu par Imed. Récupéré par Mouch, Van Kami. Tweets. Ouais, frappe de Tweets. Elle était vicieuse, cette frappe, mais elle est à côté. Et je crois qu'on en restera là. Les Estudiantes qui va accrocher un nul à Bestou dans un match magnifique. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau match. Ciao, ciao. Et voilà, un nul pour ces deux équipes pour cette première journée de la première saison FVPA sur FIFA 18. Voilà, si bien commenté par notre ami Julien Ricard. Ah, parfait, hein, ça c'est clair. Et puis, en plus, au début, là, il a parlé de fourmis dans les jambes pour les joueurs. Ça c'est clair que ça faisait depuis combien de temps qu'il n'y a pas eu de compète officielle là, depuis mars. Ça faisait bien, ouais, depuis après la Coupe du Monde pour certains joueurs, et puis pour ceux qui jouaient pas la Coupe du Monde, ça faisait même plus. Ça faisait depuis, je crois, fin juin.
Et c'est vrai que Ouais. d'ailleurs, toi, Mehdi, qui est un passionné de club pro, ça te travaillait aussi, cet espace de temps qui est monstrueux entre les deux compètes. Ah, carrément, carrément, c'est une attente, c'est troublant pour les joueurs, je pense, et que ce soit aussi pour les GM, parce que le temps qu'ils fassent leur équipe, les joueurs sont impatients, donc ouais, il y a une très grosse attente par rapport à Club Pro, ouais, par rapport aux compétitions. Alors, déjà, voilà, on va dire bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On voit un peu, petit peu les habitués, ceux qui commencent à revenir assez régulièrement. Un petit coucou. On a Eftude, là, qui est passé nous dire bonjour. Salut à toi. On a Nut, notre pronostiqueur habituel, qui est là aussi. Voilà, des noms qu'on connaît bien, des Igéman qui reviennent souvent. Na, salut à toi. Merci, merci à tous encore de nous suivre ce soir. Ça fait plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire. Éduqué. Ouais. On dit Igeman ou Ingman? Ah, Eggman, ah, je vais me faire frapper encore. Apparemment, ça rentre pas. Toujours des petits problèmes. Moi non plus. Mais donc voilà, c'était donc le, on a pu suivre le premier résumé. Ce soir, on aura trois résumés à vous proposer. Pour les habitués, vous le savez, ce soir, on va vous mettre un petit plat, si vous voulez, un petit live tweet, histoire qu'on partage un petit peu tout ça. Voilà, le petit encart qui Hashtag apparaît en Téléclub. haut. Hashtag Hashtag Téléclub, Téléclub, c'est... tous ceux qui tweetent avec le hashtag Téléclub, ben leur tweet sera diffusé en live, évidemment. Donc n'hésitez pas. Ah, si midi le dit, il faut vraiment le faire. Alors du coup, ouais, Freestyle va pouvoir un petit peu nous expliquer là ce qui s'est passé un petit peu pour cette première journée, parce que apparemment tous les matchs n'ont pas pu être joués. Et non, bah, c'est relatif au bug, hein. Je crois que c'est Julien Bricard qui le disait hier en live, il y a eu à peu près 73% des matchs joués, si je dis pas de bêtises. Donc le staff avait décidé de suspendre la compétition. Ce qui fait que bah, nous, on va suivre seulement cette première journée, on fait ce qu'on peut, et il y a eu 5 matchs joués sur 7. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je le redis. En tout cas, on est allé voir du coup, c'est Mehdi hein, qui était allé du côté de French Superfly pour Tout voir à ce qui fait, s'est tout à passé. fait. Donc on a le résumé qui est là et on est hyper content de le proposer, on va le commenter en live. Je sais pas, JK, si tu es prêt à l'envoyer. Alors là, on va pouvoir attaquer le premier résumé que nous allons commenter ce soir avec vous là, pour ces petits résumés. Donc c'est French Superfly contre Bami Sport. Bami Sport, voilà. Que je dise pas de bêtises. T'inquiète. Voilà, on vous prépare tout ça. Et ça va être parti pour ce premier commentaire. Donc voilà un premier résumé de ces matchs, de cette première journée, French Superfly contre l'Alabama Sport au Borussia Park. Et donc ça a été donné, l'engagement a été donné et on peut voir directement l'habitué du club pro, tous les joueurs qui se placent à la rapide. Donc nous avons les French Superfly avec les maillots blancs et bleus et la Bami Sport avec les espèces de maillots noir-orangé. Et ça commence très très fort dès le départ avec l'ouverture du score de French Superfly, très très rapide dès le début de ce match. Très bien joué, c'est subtil, c'est une technique qui marche, franchement, bravo. Ouais, le joueur qui se met devant le mur ou à côté du mur, une passe rapide et ça enchaîne et c'est le but quoi. Et c'est reparti, donc voilà, très 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 vite, but à la troisième minute et on va peut-être sentir cette équipe de Superfly qui va vouloir aggraver le score. Et comme on peut le voir sur cette action, ils obtiennent un joli coup franc pour essayer d'aggraver le score. Ça fait quand même mal, hein. 2 buts en 7 minutes. T'as vu comment je joue Alors. le suspense? Ça prend le temps pour tirer le coup franc et c'est joué, bien joué dans la profondeur là. Ouh, c'est très dangereux. Et le Et c'est le 2-0. but. Très 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 rapide là du côté de French Superfly qui veut vraiment mettre toutes leurs chances de leur côté en ce début de match. On a vu le petit compte favorable aussi d'ailleurs. Hein. Deux actions similaires. Complètement. Avec un petit peu de chance sur le contre favorable et qui permet à Superfly 2-0. Alors reste de la mi-temps un peu plus tranquille. Et on se rapproche donc de la fin de la première mi-temps et c'est la BAM qui va frapper. Très très bel arrêt du portier de French Superfly. Il y a le feu.
Ouais. Et N'Golo qui est assez malin, il arrive à faire prendre un carton pour Ntolib. Et qui va offrir un bon coup franc pour la BAM juste avant cette fin de mi-temps. Alors on a un de nos commentateurs là qui grésille un petit peu, il faudra faire attention. Ah c'est pire. Et ouh la belle petite balle piquée. Et c'est bien dégagé de la tête. Et apparemment l'arbitre siffle un nouveau coup franc. Petit danger là pour la Superfly. Sur cette fin de première mi-temps, deux coups francs d'affilée. Va peut-être pas falloir leur laisser trop d'occasion à cette équipe de la BAM. Oh. Et très très beau coup franc et voilà. tiré sur le poteau. Magnifique, rien à dire. 2 à 1. On est complètement sur un top goal là. Il est très très joli celui-là. Donc c'est la bonne. Elle est reparti pour la fin de la première mi-temps. Alors est-ce qu'on va voir encore un autre but dans cette première mi-temps? On en a déjà eu 3. Pourquoi pas? La frappe très très bien contrée. Heureusement d'ailleurs. Mais ça va offrir un corner pour la fin haletante de cette première mi-temps. Une première mi-temps avec des buts, hein, ça fait plaisir. C'est sûr. Alors, est-ce que ça va revenir ou ça va être sifflé peut-être la mi-temps là? C'est Bobby Cover qui récupère. Et non, mi-temps, mi-temps, mi-temps. Ah, Et c'est la voilà, mi-temps mi-temps. avec les stats. Légère possession pour les French Superfly. Moi, très belle première mi-temps. Ah ça c'est le genre de début de match qui peut casser facilement là, avec deux buts d'entrée de jeu, mais la BAM n'a pas dit son dernier mot après être revenu au score. Oh la très belle passe dans la profondeur. Oh la frappe sur le poteau dégagée in extremis par le défenseur. Mais le ballon est toujours à la BAM qui renvoie de l'autre côté très très réalisé, très très bien réalisé, pardon. Et ça chauffe hein, pour le portier. Une nouvelle frappe et le but. Ah Trois oui. frappes. Le gardien a pu en arrêter deux, mais la troisième aura été la bonne. Ouais. La première offensive de Bosimovic et puis après là c'était trop pour le gardien. Égalité pour l'instant. Et on est sur un match très très ouvert quand même. Très très ouvert avec du but, avec plaisir. C'est bien pour s'intégrer ça, tu dis ça fait plaisir, c'est pas Et le corner hein, pour l'équipe de French Superfly. Pour essayer peut-être de se relancer là après avoir mené 2 à 0 d'entrée de jeu. Se fait remonter par une équipe de la BAM eSport qui en veut. Et le 3-2, très très belle remise. Aramis qui vient marquer les buts vides. Le corner au deuxième poteau qui fait toujours mal, cette technique qui est utilisée par pas mal de clubs. Et on voit du but hein, dans cette première journée là avec ces deux équipes. Et la BAM qui n'a pas dit son dernier mot. Mais ça va être compliqué d'aller chercher notre but là. Mais c'est très bien joué sur le côté, au deuxième poteau, la tête et ouh. Ça passe près du cadre quand même. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait été s'il l'avait croisé? Franchement, je pense que ça aurait pu faire une égalisation. Alors là, on a eu un corner, mais je viens de voir que le troisième but a dû être passé à la trappe lors de la création du résumé. Donc 83ème, 3-3, match nul pour l'instant. Voilà, c'est ça. On part sur un match nul. Magnifique but de la BAM. Magnifique but de la BAM qui a glitché le jeu et qui s'est rajouté un petit point au passage. Et ça a failli faire un 4-3. Ouais, j'en connais un qui va se faire taper sur les doigts. Ah bien sûr, hein, c'est une On a première. Lynx qui nous disait il était moche de toute façon. C'est pour ça, apparemment, il y a des billets qui ont été passés pour éviter de montrer le but. Et donc ce match qui pour l'instant se dirige sur un 3-3 et se dirigera sur un voilà. 3-3. Fin du match. Deux matchs nuls pour l'instant, hein, entre les studios de Ouais. test et la BAM, et Superfly, etc. Ça nous fait deux matchs nuls, ouais, donc 1-1-1 et 1-3-3. C'est ça. Alors,
rapidement, Mehdi, bon, toi qui as monté ce match, désolé. Ouais, Bon. désolé pour les deux équipes, hein, si j'ai oublié un but. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était son C'est tout les premier débuts. montage. Voilà. Mehdi, là, sur la durée, c'est un investissement sur la durée. Vous verrez qu'à la fin de l'année, sa valeur de transfert sera bien plus, bien supérieure. J'espère bien. J'ai combien d'ailleurs? Hein. Je sais pas. Alors, non, mais en tout cas, donc toi qui as un peu plus vu ce match, est-ce que c'était vraiment si ouvert que ça? Est-ce que t'as trouvé que les défenses peut-être sont passées un peu à côté? Moi, j'ai trouvé que oui, c'était assez ouvert. Il y avait des occasions des deux côtés. Une domination pour Fred Superfly dans la première moitié de période, on va dire, de la première période. Après, le jeu s'est un peu plus ouvert et c'est pour ça que je pense qu'on a vu, enfin, on a vu ce 3-3. Voilà. Si Très je peux bien. dire quelque chose sur ce match. Mais c'était un très beau match en tout cas. Ça nous a mis des buts. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Il va pas Ça nous fait pleurer. tellement plaisir qu'on n'y met pas tous. Voilà. Ah, tu dois te faire charrier pour ça. Soyez pas Alors, trop. non, on n'aura pas fini d'entendre parler. On est là pour ça, pour te le rappeler, y a pas de problème. C'est En tout cas, voilà. Merci pas encore grave. à tous ceux qui nous rejoignent. Là, vous êtes de plus en plus. N'hésitez pas à participer. On est là, on vous suit. Merci d'être là. Alors, du coup, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le troisième et dernier résumé qu'on a à vous proposer ce soir? Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai entendue de cette journée. Je suis ravi. Ah, t'as dû passer une Carrément de la sale. journée. T'as dû passer une sale journée. Ah Écoutez, je joue avec CIVI Sport, c'est normal. Hein, ouais. Donc, dernière affiche commentée en live. Nothing FC 127 contre STL Éphémère 69, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est un peu tellement des Tout à Lyonnais. fait. Donc voilà, je vous rappelle, vous voyez en haut, là, ça a déjà commencé. J'ai vu le petit hashtag Téléclub qui commence à faire son effet. N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag Téléclub, histoire de Et on rappelle, partager cette émission. on le rappelle, une très grosse annonce sur l'équipe de France qui va arriver bientôt avec Balou, Kaido qui vont débarquer ici. Ne Il dévoile va se pas passer tout. quelque chose, il va se passer un truc. En plus, même nous, on ne sait pas, il n'y a que JK qui sait. Quel chose-t-il? Même les commentateurs ne sont pas au courant de ce qui va se Voilà. passer. Ça va être la petite surprise de Téléclub ce soir là. On vous en parlera un petit peu après là de tout ça. Mais on va continuer avec ce fameux résumé donc de Nothing FC 127 contre STL Éphémère 69. Juste le temps de vous mettre ça en place. Et on est bien. Toujours le petit décompte qui va bien, vous allez voir, ça va être une habitude, le décompte chaque semaine. Et c'est donc parti pour ce résumé donc de cette dernière journée qu'on va vous proposer pour le compte de la première journée de la saison FVPA. Donc voilà, Nothing SP 127 contre STL Éphémère 69. Excusez-moi, les noms sont de club sont un peu longs, je trouve, à mon goût. C'est 15 caractères. On va commencer avec la première belle action pour Nothing que l'on peut voir en noir avec les maillots noirs. Les maillots noirs de Manchester. Et Éphémère en blanc donc. Hein. Et le premier beau centre, une belle tête. Ouf, ça passe pas loin des cages. Paladino en Dommage. patron qui envoie ça en corner. Et on peut voir voilà, l'équipe qui se dégage rapidement, rapidement. Faut pas laisser traîner ce genre de ballon. Et c'est reparti là du côté de Nothing. Qui va pouvoir passer par le Ouais. côté droit. Magnifiquement fait là. Belle passe courte. Ouh, le petit geste technique, la passe. Oh là là, magnifique. Et c'est Magnifique. le Oh la but. passe fantasque. Qu'est-ce qu'elle est belle qui amène cette belle frappe du plat du pied. Ah Au là, ras du c'est. poteau. On est dans un petit total régal là, c'est plaisir de voir ça en passe D. Ouais. Magnifique. Ah, ça c'est le genre de passe D qu'on aime regarder. Hein. C'est ça. En tout cas, Frédéric a su mettre le poteau rentrant à la 25e. Et la belle parade du gardien qui fait un beau petit plongeon pour capter ce ballon. Et c'est reparti une nouvelle fois avec Nothing. Ouh là là, c'est très bien réalisé. Ouf. Ouh, mais c'est qu'il use et réuse de gestes techniques ce joueur. C'est qu'il est technique celui-là. Heureusement que c'est pas passé entre les jambes. Ouais. Ça, c'est un coup à se faire un genou à faire des gestes comme ça. Hein.
Et ouh, la mauvaise passe là qui offre une belle touche là. Ouais, Mais non, ce c'était sera la pour inciter mi-temps. l'arbitre à siffler à mi-temps, ouais. Ouais. Déjà à la 52e. Ça avance dans ce match, ça se crée des occasions, mais pas tant que ça. Mais Contrairement à French, on a un match assez fermé par. Mohsin qui joue court, ce coup franc. Ouh, très très bien récupéré. Ça n'a rien donné. Mais une nouvelle action encore une nouvelle fois là pour Nothing. Ouf! Ouh, ça cafouille un petit peu dans la surface. Ça est dangereux, entrée de surface. Ouh, le petit geste. La passe. Oh là là, le plat du pied pour le 2-0. Et ils Magnifique. me font mentir. Bah Et c'est à d'ailleurs, nouveau la Mehdi, mise. toi qui joues DC, Mehdi, ce genre de contrôle comme ça pardonne pas. Hein. Ah non, ça pardonne pas. Faut relancer, faut essayer de relancer tout de suite sur un côté. C'est moi, c'est ce que je fais moi, donc. C'est le petit Puis là, conseil. la mauvaise Voilà, passe là c'est le petit conseil de DC. la mauvaise passe qui a failli amener le 3-0 là, falloir faire attention du côté de la défense. Si on peut Ou qui a fait enfoncer une le magnifique clou. parade. Et ouh, la belle parade du gardien, nouvelle frappe de loin. Et le gardien qui est un petit peu sollicité dans cette fin de match. Nothing 107 qui pousse. Grosse domination de Sporting là. Ou de Oui, Nothing, complètement, oui. excuse-moi. Tu étais presque. Et la passe entrée surface pour la frappe. Ouh, lolo, 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 quelle reprise Magnifique. qui vient Mais on a que du rebondir. top goal ce soir. Ah ouais, là, on est quand même pas mal, hein. C'est dégueulasse, ça part du montage, donc comme ça. Non, Et quelle ouais, la lutte fin en du tout match qui cas. va se profiler apparemment sur ce score 2-2 à 1. La 90e, peut-être la dernière chance. Ah, Enfin, non, la même le dernière 3-1 plutôt. chance. Et le Et 3-1 voilà, pour voilà. Nothing Dernière chance, 3-1. qui vient s'assurer la victoire avec cette frappe. Et Voilà, c'est voilà. terminé. Et ce s'est terminé pour. Ouais, ce but était pas mal lui aussi. Oui, complètement. Et Non, non, honnêtement, bon, on a vu le résumé, mais juste pour parler de cette rencontre, c'est vrai que le résumé ne ment pas, c'est vraiment une domination du Sporting. Après, honnêtement, le gardien Wu a fait un vraiment beau match, il aurait pu en prendre plus que ça, donc on va dire qu'il a sauvé un peu les meubles, et ouais, Sporting a vraiment été au-dessus sur cette rencontre. Nothing ouais. Après, ben, explique, parce que si tu dis un nom à l'autre, faut expliquer aux gens, parce que pas tout le monde le connaît. Nothing, Sporting 127. Alors après, pour l'explication, si t'en as une, vas-y, hein. C'est une explication liée Voilà, à l'histoire, mais non, mais pourquoi voilà, ce faut nom? leur expliquer, parce que depuis tout à l'heure, on dit Nothing SP 127, voilà, expliquez un petit peu. Des fois, ça saute pas aux yeux, nous on sait, mais pas tout le monde le sait. C'est vrai. C'est tout simple, c'est tout bête. Ce Mais en Alors, tout est-ce cas, qu'on se fait un... Oui? dis-moi, vas-y, je t'en prie. Alors, est-ce qu'on ne fait pas un petit récap des autres résultats de cette journée 1 pour qu'on en termine, histoire de... Je sais pas, comme tu veux. Fais comme chez toi, je t'en prie. Alors, ok. Il y a eu donc 5 rencontres sur 7 de jouées. French Superfly, Banmi Sports, c'est 3-3, on l'a vu. Besteron Flex Estudiantes, 1-1. Nothing Sporting, 127, face à STL FMR 69, 3-1. On vient de le voir à l'instant. Wutang FC, face à Wanted les Experts, ça n'a pas été joué. BNG Wildcat, affronter Walt Disney United. Alors, à votre avis, c'est quoi le... Qui a gagné, à votre avis? Moi je parie sur Walt Disney moi. Moi j'aurais dit Walt Disney aussi mais. En plus, vous le savez, c'est 2-0 pour Walt Et Disney. bah ben voilà. Ah Automatic mince. Gaming face à Family Team 11. C'est not played, ça veut dire pas joué, pour ceux qui parlent pas anglais. Et Will Rocket qui met 3-1 à Mafia Millar. En tout cas Voilà. on a un freestyle en forme ce soir, j'ai bien l'impression. Tout à fait. Attendez, les Et qui nous fait des leçons d'anglais en plus. gars. Attention. C'est cadeau. Et peut-être des petites leçons de montage si t'es gentil. C'est vrai. Merci de me le rappeler. Alors donc voilà, donc merci en tout cas pour toutes ces petites infos. Merci pour ces résumés les gars. Ça Merci reste du également, bon les travail même si studentesses. du coup il y a un petit but qui est passé à la trappe. Je m'en excuse encore une fois. Alors du coup on va pouvoir peut-être parler un petit peu justement aux gens de Téléclub là, comment ça se passe vraiment et où on veut aller et de quoi a-t-on besoin pour y aller? Complètement. C'est très vrai ça, JK. Et en fait, vous qui nous écoutez et qui êtes manager ou même joueur, vous pouvez nous aider dans le sens
Ou bon, déjà, c'est vrai qu'on va pas mal s'intéresser à la Ligue 1 EVEPA. Excusez-nous pour ceux qui sont en Ligue 2 ou en Ligue 3. On vous proposera quand même de participer à l'émission. Hein. Vous pourriez envoyer par exemple des extraits de jeux. Il y a un hashtag pour ça qui a été mis en place par Media Club Pro France notamment. Il y a Snakerball qui viendra nous en parler plus tard. C'est hashtag CP vidéo. Et en fait, que ce soit un arrêt, un but, un tacle, un fail, n'importe quoi, vous le mettez sur ce hashtag et nous on va le récupérer pour après le diffuser dans l'émission. Donc on prévoit d'ailleurs avec Mehdi, on vous prévoit un truc les gars, c'est magnifique, ce sera un total régal. Tous les plus beaux gestes, comme sur Bean, Tous ceux les qui plus beaux connaissent. gestes, les... Ouais. Et voilà, que ce soit n'importe quel, on fera même peut-être des top arrêts ou voilà. Donc ça déjà c'est fait, vous le savez, tous les petits extraits. Et pour ceux qui sont GM de D1, après même franchement, j'incite tous les GM à le faire. C'est de quand vous avez votre Twitch ou votre diffusion YouTube, de couper le son des commentateurs. Ça nous permet de réutiliser les lives derrière, même vous hein, pour votre club si vous souhaitez faire des trucs, ce sera plus simple. Et JK, ça il le dit souvent. Est-ce que tu sais ce Alors, que je veux dire? vas-y, dis-le, je t'en prie. Bah, on laisse les ralentis sur les buts. Voilà, Tout à j'allais y fait. venir. Tu l'aurais pas dit, je l'aurais dit. Voilà. Alors, les gars, il y a deux choses super importantes. Aujourd'hui, là, si vous voulez avoir un beau suivi, de beaux lives, de beaux résumés, voilà. À l'heure actuelle, il y a un problème même en live. On a beau le dire avant tous les lives. Donc, déjà, pour les streamers, voilà, comme il dit, les commentateurs, c'est super important de les faire sauter parce que, bah. Ça nous oblige en fait à baisser le son du coup de vos résumés. On n'a pas le son du stade, on n'a pas le public qui réagit. C'est dommage parce que ça régresse un petit peu la qualité des vidéos et des lives. Et aussi les ralentis. Alors les cinématiques, ça c'est quelque chose. Voilà, il y en a Yves-Tude qui en parle. Je suppose que lui c'est pareil quand il y a un beau but. Et là il y a tout le monde qui passe. Ouais, mais on aimerait bien voir le ralenti histoire de s'appuyer un peu dessus. Et voilà, et pareil si pour les résumés, c'est bête, mais voilà, il y a un beau but, voilà, on va résumer, on voit l'action, on voit la passe, on voit la frappe. C'est quand même vachement plus agréable à regarder que ce soit en live, en live, pardon, en live, que ce soit en live ou lors d'un résumé, ça énonce énormément le niveau des vidéos. Voilà pour ben en tout cas voilà pour cette J1 hein, qu'on a essayé de présenter en long, en large et en travers. Au lieu de présenter 3 journées, on en aura fait une, mais bien quoi. Voilà, alors je propose du coup, voilà, on va terminer vite fait par le petit classement. Comme Ah ça, oui, vous avez bah un oui. petit coup d'œil dessus. Donc, avec bah, du coup, Nothing, avec sa belle victoire, Sporting 127, du coup, qui prend bah, la tête hein, avec la différence de but. À égalité d'ailleurs avec Wiwil Rokyu au niveau des buts pour. Hein, et ensuite, voilà, derrière dernière équipe victorieuse de cette journée, Walt Disney United. Et voilà, il restera plus que les matchs, voilà, de Wutong Authority, Family Team et des experts à jouer pour finir cette première journée. Voilà. On va pouvoir, voilà, en reparler bah, assez rapidement, voilà, un petit peu de comment ça s'est passé et pourquoi, parce qu'apparemment, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu une pause en championnat EVP. On va parler de ça un petit peu plus en détail bientôt. Ben, bientôt, bientôt. Et pourquoi pas maintenant? Je sais pas. Est-ce qu'on n'accueillerait pas Sino? Alors ouais, est-ce que nous accueillerons pas d'ailleurs, ouais, donc Sino pour en parler. On essaye de le ramener. Je sais pas si Mais allons-y, hein, allons-y, hein. ça risque d'être un peu violent. J'ai vécu cette expérience Alors, récemment. Voilà. attention. Il est là. Bonsoir Sino. Salut tout le monde. Salut. Eh, si ça, c'est pas beau. Monsieur l'administrateur FVPA, Sino. Comment tu vas? Ça va et vous? Ben, Ah bah nous on est en très forme très là, bien. on est au taquet Ah, on est apparemment. en On est forme. chaud Oui, je vois ça. Moi je pense depuis tout à l'heure. Attends, je vais juste couper le stream. Voilà. Vas-y, mets-toi bien, comme chez toi. Tu me dis quand t'es prêt. Bon, je suis prêt, je suis là. Ok. Dis-moi tout. Alors, Alors ben, écoute, déjà, Sino, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. voilà. Même si je pense que Bon. bon. Présentation de mon parcours club pro. Bah, présente-nous ce que tu fais, qui tu es, voilà. Après, où tu es allé au Donc, moi, collège, c'est. ça nous intéresse pas beaucoup. Donc, c'est très simple. Sino, 27 ans, GM des anciens FC, administrateur EVPA depuis 6 mois, 7 mois, ouais, à peu près 6 mois.
T'es pas Donc sûr. voilà. Je ne suis pas sûr. Non, ça fait 6 mois. C'est bon, moi. Alors, donc juste pour ceux qui sont en live, ceux qui nous regardent, je vous saisis maintenant. On va donc poser deux, trois questions à Sino, mais vous aussi, n'hésitez pas à y aller de vos remarques, de vos questions. Vous pouvez, profitez-en justement, il est là pour vous répondre. Donc, si vous ne comprenez pas forcément pourquoi le championnat était suspendu, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de matchs joués, si, je sais pas, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec FVPA, etc. Allez-y, on peut, même si vous, tout simplement, vous kiffez son travail, hein, vous pouvez très bien le dire. Bon, après, Ça, je ne pense pas rentrez pas ça. dans les affaires personnelles, parce que c'est pour nous ressortir un match de L3 qui a lieu il y a 6 mois, ça sert à rien. Mais n'hésitez pas à interagir avec lui, il est là. D'ailleurs, la première question qu'on pourrait avoir, sinon, c'est vrai, c'est pourquoi avoir voulu suspendre alors que, bon, on va dire que la majorité des matchs sont bien déroulés. La majorité des matchs sont bien lancés, mais il y avait toujours des bugs au niveau des matchs. Moi, le premier qu'on a lancé notre match, déjà, on a essayé 5-6 fois pour trouver un match. Et quand on a trouvé le match, ça n'arrêtait pas de bugger. Donc, personnellement, moi, j'étais totalement pour le fait d'arrêter le championnat, de repousser le championnat. Car je considère que même si les matchs sont lancés, ils ne sont pas déroulés dans les meilleures conditions. Oui, c'est Ouais, vrai que ça, des gens c'est ont clair. trouvé, mais après plusieurs tentatives, ouais. Déjà, moi, par exemple, je prends mon club en exemple. On avait match à 22h15, on a lancé à 22h50. Toute l'attente qu'on a eue. Du coup, mon équipe, elle n'était pas dedans. Moi, perso, j'étais énervé plus que trop chose. Donc, moi, je considère que vraiment, décaler le championnat, c'est la meilleure chose qu'on a faite. Et de toute façon, il y a une mise à jour qui va arriver. Dans tous les cas, moi, je pense qu'on a bien fait de décaler. Alors, C'est vrai qu'il y a la... ouais, d'ailleurs, ouais, du coup, nous on l'avait un petit peu ressenti lors de la CPTV Cup, là, pour ceux qui nous avaient suivis. Une horreur. Hein, Oh putain. on Ouais, était par censé exemple. terminer, on était censé Ah, vous terminer les avez matchs jugé. à 23h, on a terminé à plus de minuit avec des tirages au sort à pile ou face pour départager deux équipes parce que impossibilité de se rencontrer. C'est vrai que c'était quand même très très compliqué à ce niveau-là. Ouais, c'est par rapport à ça. Et ouais, qu'on a passé la Club Pro TV Cup, c'était vraiment un carnage. Alors Alors du alors. coup, pour appuyer un petit peu ce que tu dis, parce que du coup, on parle de cette mise à jour. Oui. Et cette mise à jour, là, Freestyle nous en parle un petit peu, il a pu contacter un joueur PC qui a joué après la mise à jour. Oui, voilà, complètement. Alors, c'est un joueur PC qui s'appelle Ipswich. Peut-être vous le connaissez si vous êtes un joueur PC, car c'est un ancien de la commu, voilà. Donc, je suis allé le voir tout simplement, bah, car il a pu tester la mise à jour et les amicaux. Je lui ai en fait demandé tout simplement si il était satisfait de tout ça. Donc, je propose d'écouter sa réponse. C'est vrai que le patch nous a apporté une certaine stabilité au niveau du lancement des matchs amicaux. Il faut dire que du coup on a essayé avec quelques personnes de la communauté à essayer de lancer des matchs amicaux et il a l'air réglé ce problème. On a encore un petit doute parce qu'on ne sait pas si c'était des joueurs qui buguaient en eux-mêmes ou si c'était encore un petit problème du patch. Mais on est confiant et on reprend la compétition lundi. Donc de toute façon, plusieurs tests ont été faits. Dans la logique, c'est réglé. Donc on s'attend à lancer la compétition le plus vite possible. Puis après, il faut dire également que jeudi soir, je sais pas si c'est le moment où tu as fait tes tests, les serveurs étaient déjà assez buggés, en tout cas sur PS c'était le cas. Je pense que sur PC aussi, globalement, quand serveur bug, c'est un peu partout. Peut-être que ça peut aussi justifier les différents problèmes que vous avez pu avoir hier. Alors, nous, on a eu des bugs plutôt dans l'après-midi sur PC. Après, le soir, tout fonctionnait nickel. Hein. On n'a pas eu de soucis pour trouver des matchs. Tout était OK pour nous de notre côté. Hein. D'accord, donc à t'écouter, on peut se dire que l'ensemble des fans de Club Pro peuvent être assurés. Ah oui, totalement. On l'espère. Il est vrai que le. Et donc voilà, donc on peut remercier donc Ipswitch voilà, d'avoir voulu nous donner un petit peu ses impressions sur cette mise à jour. Et du coup, voilà, apparemment, de ce qui se dit, apparemment, ça a pu régler le problème à voir hein, dans la continuité ce que ça donne. Et on va rebondir avec la question de Monsieur Nutella qui dit, avec la mage, est-ce que la reprise va être avancée?
Très bonne question. Ah, ça, c'est une très très bonne question, ça. Ça, c'est une très... Bah, on verra, tout dépend. Tout dépend, on verra. On va en parler, on va prendre la décision ensemble avec les amis. Parce que là, du coup, la date de reprise, à la base, c'est quand là? C'est le 6, le 6 novembre. D'accord. Moi, personnellement, je suis totalement pour le fait d'avancer. C'est la mage. Si on se rend compte que la mage, elle nous permet de jouer, de lancer les matchs, moi, personnellement, je suis totalement pour le fait qu'on avance le championnat. Ouais, parce que là, Après, il y aura plus. Je laisse continuer, voilà. excuse-moi. Après, la décision ne revient pas qu'à moi seul. Donc, c'est une décision à prendre ensemble. Et je peux pas vous dire. Ouais, Essayez ça de va. maintenant. Tout va se jouer ce week-end, à mon avis, déjà avec tous les tests, déjà voir si vraiment ça marche. Parce que là, on a N'Golo Kanta qui nous dit l'équipe PC de la BAM m'a dit que c'était toujours pareil. On a Obstruction Clapo qui dit qu'ils ont toujours le problème du capitaine qui doit se passer d'abord. En Espagne, ils ont eu des problèmes pour lancer. Voilà. Donc Donc apparemment, pas tout le monde. Ça a pas dû arranger le problème à tout le monde, apparemment. bah, j'étais ressorti plein d'espoir de cette interview équipe Switch. Là, je suis calmé là, avec les petits commentaires qui tombent. Bon, alors moi j'ai quand même une petite question pour toi, sinon c'est. J'ai trouvé ça. Enfin, je sais pas si c'est une question ou une remarque. Enfin bref, tu auras bien quelque chose à répondre. J'ai trouvé ça dommage que la décision de suspendre les compétitions soit prise comme ça un mardi à quelques heures des prochains matchs qui allaient arriver et sans vraiment de concertation avec avec les équipes. Parce que bon, je sais que il y avait certainement des joueurs qui avaient préparé des. Qui avait peut-être, tu sais, ça arrive tout le temps de refuser une soirée ou de refuser quelque chose pour venir clubber en compète et machin. Et vis-à-vis de ça, je trouve peut-être que c'était pas la meilleure des solutions. De toute façon, dans tous les cas, quand on dise on repousse le championnat, on repousse pas, il y aura toujours des personnes qui ont pas d'accord avec nous. Là, moi, j'ai reçu des messages de personnes qui me disent oui, c'est bien, vous avez bien fait de décaler le championnat. D'autres nous ont insultés parce qu'on a décalé le championnat. De toute façon, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est un point, ça, c'est un fait. Après, personnellement, la décision, on l'a prise et je pense qu'on a très bien fait de décaler le championnat. La preuve, il y a une mise à jour qui va arriver. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, mise à jour, on ne sait pas encore. Ouais, Mais pour moi, c'est je assez illisible. considère. Voilà, apparemment, il y a d'autres qui disent ça marche, d'autres qui disent ça ne marche pas. Moi, je considère qu'on a très bien fait d'avancer le championnat, enfin, de retarder le championnat. Et de toute façon, le temps nous donnera raison, parce que si la mise à jour, il s'avère qu'elle est très bonne, donc tel temps, on aurait bien fait. On verra le jour J, quoi. Exactement, on verra le jour J. Alors voilà, si parmi vous, il y a des personnes qui sont pas trop d'accord avec la décision, qui peuvent nous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que moi j'ai entendu plein de gens crier, crier, mais sans, j'ai pas vraiment eu du pourquoi, du Ah. comment. Donc je sais pas parce que voilà. Et du coup, et si ça merde encore? Très bonne On question aussi. a les études qui nous demandent. Et si ça merde encore, qu'est-ce qui se passe si le 6, c'est toujours autant la galère pour se rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, on verra le 6. Pour l'instant, Le petit bon, pour suspense. l'instant, Pas d'infos c'est ça. exclusives ce soir alors. Pas d'infos exclusives par rapport à ça, on verra d'ici là. Mais on verra après la mise à jour. Franchement, tout après la mise à jour, tout sera plus clair pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde attend cette mise à jour avec impatience. Ah bah là c'est vrai que c'est quand même une grosse frustration quand même. Hein. Déjà que ça, Ouais, comme on dit, vraiment. ça fait longtemps qu'on attend de pouvoir reprendre la compétition et galérer tous les soirs, des fois ne pas jouer pendant 3-4 heures, comme on disait tout à l'heure, c'est. Des fois c'est dur. Hein, Je trouve ça assez bizarre quand même, cette histoire de matchs amicaux. Parce que depuis que je joue à vous êtes à... FIFA, on n'a jamais ce problème-là. Vous êtes au courant de la taille de la mise à jour? Je sais Il aura pas, fait c'est peut-être combien? pas important. Elle fait 1,61 Go exactement. Je vais aller me renseigner. Combien? Ma 1 petite enquête. giga? 1,61 Go. Ah ouais, les gars, c'est une grosse mise à jour. Donc c'est une grosse mise à jour parce que on a vu qu'il n'y a pas que les matchs amicaux qui bug aussi. Des fois, il y a le. On lance un match, c'est le DD qui sort de la feuille, on ne sait pas pourquoi, et on se retrouve à G sur le terrain. Ouais, cette année, le club pro, il en a bavé, on va dire. Donc le pro a Ah. totalement été délaissé cette année. On espère vraiment que ça va s'arranger, puisque c'est vrai que ça reste quand même compliqué dans le domaine de la compétition. Tous ces petits soucis enchaînés les uns aux autres.
les bugs où on se retrouve seul dans la session, on est le seul sur le terrain, c'est déprimant parfois. Hein. N'Golo Surtout qu'on est Kanté qui dit impuissant, quoi. 1 giga pour fuite, 1 giga pour fuite et 61 mots pour le pro. Je crois que c'est... Non, mais c'est vrai, en plus, c'est super vrai. Ah, il doit pas être loin de la vérité, malheureusement. À moins qu'un jour ils finissent par instaurer un système de. Je vais me taire parce qu'il faudrait pas qu'ils en aient l'idée. Ah, D'augmentation oui. du pro avec de l'argent. Ah, Ah, c'est vrai. Je croyais que t'allais nous ressortir le truc des matchs nuls, de choisir les. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça, pour ça Vas-y, d'abord, il faut vas-y. d'abord qu'ils mettent une année où ils font payer d'abord les joueurs pour augmenter le pro plus vite, gagner de l'argent, se dire il y a du pognon à se faire. Alors on va peut-être t'en refaire les remplacements, les conneries comme ça. Alors que oui, Alors, clairement, comme nous dit Turicamax, c'est clairement le mode entre guillemets le plus réaliste. Sur FIFA, parce que c'est vrai que c'est là où on doit gérer son placement, on est à 11, on doit mettre en place des tactiques de groupe, bah, comme dans le foot, voilà quoi. C'est pour ça que beaucoup on est beaucoup à apprécier ce mode, parce que c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on peut vivre en vrai. Oh, c'est exactement, c'est le plus représentatif. Après, certains qui n'ont pas pu faire de carrière de footballeur, peut-être qui la font sur Club Pro. Je sais pas. Ah bah, il y en a, faut les voir hein, quand ils sont sur Twitter, genre ouais, je prends ma retraite, ouais, je vais signer, Tout à ou fait, enfin, tout à certainement, le fait. vocabulaire employé, des fois, les gars, c'est C'est quelque bien, chose, c'est mais bien. après, bon, C'est bien. moi, je sais pas, oui, bon, moi, je trouve que ça fait un peu égo surdéveloppé, tu vois, chacun son avis. Bah, l'e-sport se développe, donc. Les égos aussi, mais les égos vont plus vite que l'e-sport, je remarque. Les jeux vont plus vite que. Exactement. Les jeux vont plus vite que C'est fou, ça. l'e-sport. Ouais, on a notre Walid National là, qui nous dit quand tu regardes NBA 2K18. Le mode pro, il a carrément mieux avancé que sur FIFA 18. Ouais, mais ça c'est différent parce que il mélange un peu tous les modes, parce que là-bas tu peux y jouer tout seul. Je veux dire, tu peux aller en parc tout Non, mais peut-être seul, qu'il tu parle du peux, mode voilà. Pro AM qui est Ah la bah ouais, carrière. mais le pro AM, il a pas Ah. beaucoup bougé hein, Non, pas depuis beaucoup. En 3 ans. plus, je suis pas d'accord moi. Moi, je trouve que le pro AM n'a pas changé. Il y a des bugs aussi dans le programme de NBA, même si c'est pas le sujet ce soir, c'est la même chose. Il y a des bugs au début du Non, en jeu, c'était. plus, c'est pas du tout le sujet parce qu'avec Mehdi, on a essayé de faire quelques matchs. Mehdi et d'autres d'ailleurs, hein, ce qu'ils disent, etc., qu'on salue. On s'est juste pris 25 000 défaites, donc on n'en parle pas. Non, On a Issus merci. qui nous dit, ouais, à l'époque, tu achetais des boosts 5 matchs ou 20 matchs à l'époque sur FIFA 9 ou 10. Je pense que ça va être le 9, parce que sur le 10, j'en ai pas mémoire. Le 9, j'y avais joué à peine. Mais le 10, je l'avais bien joué et j'en ai pas le souvenir. Donc voilà, bon là, je pense que, ouais, on a. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, sinon, n'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, on Moi, je trouve ça va. assez curieux. Moi, je trouve ça assez que. Moi, je trouve ça très curieux quand même, le fait que le club pro il bug. Alors que depuis que je joue à FIFA, je n'ai jamais ce problème-là. On a eu certes des bugs dans le jeu, mais des problèmes dans l'ensemble de match, moi, personnellement, j'ai jamais connu ça. Je trouve ça très curieux. Ouais, les questions ce qui se posent sur la Il y a pérennité du vraiment. club pro et sur la volonté de IE de le mettre de côté quoi. Ouais, La mais après, panne. c'est peut-être encore une autre question. Enfin, c'est vrai que c'est après, bon, c'est des débats qui sont assez compliqués, qui mettent en scène des rumeurs. Des, bon. Peut-être qu'on saura plus Ouais. tard ou Du fait que ce que. soit pas EA qui contrôle entièrement le club pro, c'est ça? Tout ce qui se fait sur club pro? Peut-être. En tout cas, oui, c'est quelque chose qui court, c'est Bah une chose voilà, qu'on entend. c'est compliqué pour eux peut-être, et ils voient que ça commence un petit peu à prendre un petit peu d'ampleur, mais ils n'ont pas vraiment le contrôle, et ça demanderait peut-être un peu trop d'investissement pour eux par rapport à ce qu'ils auraient en gagné de le contrôler. Donc ouais, bloquer un petit peu tout ce qui se fait, parce que pour les problèmes de rencontre, c'est principalement en 11 contre 11. Hein. À 4 contre 4, en match amicaux, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Ah, première Justement, info, JK se lance à faire du 4 contre 4, le non, mec. non, mais Il a le temps. t'en sais pas pour les pénalties pendant la CPT Cup. On avait dit aux joueurs, peut-être en étant moins, ça marchera mieux. Et genre, ils avaient essayé 6 fois, ça marchait Ouais, on pas. était Ils sont mis à désespérés 5 aussi. contre Hein. 5, le match s'est lancé immédiatement pour les pénalties. Et donc Ouais, voilà. bah.
Ouais. Peut-être lancer des Est-ce que compétitions on... alors. Du futsal. Ouais, on va faire du. Comme il bah, tout à l'heure, il y en a il disait, on n'a qu'à faire du FIFA Street en mode club pro. Grave. Donc voilà, bon, je pense que voilà, bah, du coup, si, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là, parce qu'on va peut-être enchaîner un petit peu, histoire qu'on devait tenir jusqu'à minuit, à mon avis, on va déborder bien déjà. Ouais, et d'ailleurs, on le rappelle, grosse annonce à venir pour Voilà, certains grosse nombre annonce à d'équipes. venir, les gars. Déconnectez pas, ça arrive. Bah, du Reste coup, en 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 tout alerte. cas, merci Sino d'être venu nous parler Avec ce plaisir. soir. Merci à vous. Hein, merci, Franchement, voilà, de. juste, je sais pas si on est d'accord à l'unanimité, les gars, mais sinon, c'est l'admin de feu, quoi. C'est. Ah, il a eu des petits cœurs dans le chat quand il nous Ah a. voilà, de tout C'est dire. le plus aimé. Là, tout dépend par qui. Ben En tout cas, merci beaucoup à vous. C'est super sympa. bah écoute, bonne saison à toi et merci d'être Merci. passé. Allez, Avec bon plaisir, courage à pour la très suite. bientôt. Salut les gars. Merci à toi. Salut. Alors, on va enchaîner avec. On va parler 5 minutes médias. Il y a hier un très beau Twitch qui a été fait par YesTube et Jesse Jackson. Hein. Bon, j'en parle parce que j'y étais, mais c'était très sympa. En tout cas, je remercie encore de m'avoir invité. On a pu parler de Téléclub. Et nous, maintenant, on va aussi parler de Média Club Pro France. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ça. JK, toi, par exemple, quand tu as vu c'est une sorte de média qui va centraliser tous les médias Club Pro. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se développer ensemble. Par exemple, toi, JK, bon, tu as créé Club Pro TV. T'en penses quoi de ça? Alors moi quand on est venu me parler pour le Media Club Pro France, c'est quelque chose qui Déjà, m'a. t'as pas répondu visiblement, vu ce que disait Alors Jessie. si. Non, c'est juste que voilà, ça m'a plu. Le principe tout de suite m'a plu. Voilà, c'est pas quelque chose où on est tous fermés dedans. C'est quelque chose de très ouvert où tout le monde peut émettre son grain de sel. Le principe même de ça. C'est vraiment de mettre en avant le club pro et de s'entraider les uns les autres, tout simplement. Mais après, je pense qu'il y en a un qui peut venir nous en parler mieux que moi, je puisse le faire. Oh, quelle transition! Oh, bah Oh là là! oui. Ça, C'est c'est les BAM! expériences, ça. C'est C'est l'expérience. BAM Sneakerball qui est là, qui a mis un magnifique coup franc tout à l'heure, juste avant de dire bonjour. Mais c'est quoi ce coup franc? Salut tout le monde. Salut. Ouais, bah écoute, c'est les heures d'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Non, mais écoute, pour être franc, c'est le premier qui rentre sur FIFA 18. Et il fallait que je prouve à mon GM que j'étais efficace. Bon, du coup, c'est chose faite. Mais bon, après, voilà, c'est un petit peu de chance parce qu'on sait que dès que ça fait poteau rentrant ou barre rentrante, le gardien ne peut pas la récupérer. Donc voilà, tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour l'équipe. Et tant mieux pour toi. Aussi, on va dire ça. Alors, Ah, donc, oui. on a Yves Sud qui nous dit Bam Junino. D'ailleurs, Ah bonsoir à ceux qui nous rejoignent la joie, il y a Anna, Kitoff, machin et tout, merci les gars de participer. Alors, on, bah, alors, je suis perdu. Est-ce que BAM Sneakerball, enfin plutôt Sneakerball, puisqu'on se connaît un petit peu maintenant, Ouais, un tu petit peu, ouais. préfères, Plus intime. nous. Eh oui, on est intime. Excusez-moi. Tu préfères nous parler du Media Club Pro France ou peut-être de ton rôle là-dedans? Franchement, Ouais, je pense qu'on va te laisser la parole et ouais. t'écoute. Voilà, Ouais, on non, va te laisser, nous on va aller faire une petite balade, on te laisse faire. on va aller On pisser te laisse pendant que je parle. les clés du local, tu te débrouilles. Non, bah après, non, mais faire une rapide présentation peut-être du projet. Bah concernant du coup le Media Club Pro France, donc l'idée déjà de base, c'est de faire un projet communautaire. Donc ça, c'est Jesse et You qui voilà en tant qu'influenceurs, on va dire, assez connus de la communauté, qui ont eu le rôle et qui ont encore le rôle de toute manière de rassembler la communauté autour de ce projet-là. Et donc moi, si vous voulez, je suis un parmi tant d'autres. Donc, je vais m'occuper du coup du Twitter, donc du MCPFR. Et ce qui est intéressant peut-être de parler ce soir, ça serait du coup des trois hashtags justement pour ce média. Donc en fait, on va mettre en place de toute manière, ça va sortir sur Twitter. J'ai dû vous le laisser aussi dans la conf Discord. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher, je ne sais pas si c'est possible.
Mais on va partir du coup sur trois hashtags. Donc l'hashtag CP vidéo qui va être le hashtag qui va servir à toutes les vidéos. C'est-à-dire si vous avez des buts à poster n'importe quoi, vous mettez ce hashtag-là. Pour les lives, du coup, comme actuellement, la même chose. Donc CP live directement. Et ensuite, le dernier hashtag, donc CP info. Donc ça, par exemple, c'est par exemple pour le Sporting tout à l'heure, c'était l'effectif du Sporting. Donc ça va nous permettre, si vous voulez, en fait, de référencer en fait toute la doc entre guillemets du club pro qui va sortir sur les réseaux. Et ça va permettre justement à ceux qui bossent sur les vidéos, notamment pour du montage, et donc tous ceux qui participent au projet du coup du Media Club Pro France, de travailler dans de meilleures conditions. Donc voilà un peu l'objectif de ces trois hashtags. Je sais pas après si vous avez très bien compris. J'essaie de faire au mieux. Je pense que c'est explicite. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est super. Donc voilà vraiment après le but. Je pense qu'on viendra greffer quelques idées de projets en fonction des gens qui veulent s'investir. C'est toujours pareil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est le bienvenu hein, dans ce projet-là. On cherche du monde. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein, donc et comme l'a dit justement Jesse et You hier du coup dans l'émission, dans l'after du club pro, tout le monde est le bienvenu et on n'hésite pas à fournir les moyens techniques justement pour que les gens puissent s'investir mais sans frein, entre guillemets, sans frein technique, c'est le plus important. Bah d'ailleurs, on va peut-être transmettre une petite invitation au serveur donc Media Club Pro France via le chat du Twitch si vous souhaitez, voilà, ça c'est fait, voilà. Voilà, il a fait ça bien. Fait maison. C'est fait maison, c'est nous qui offrons. Et ouais, bah ouais, complètement. Alors, est-ce que, bah, par exemple, je sais pas, toi Mehdi, toi qui es donc joueur à Red Bull Gaming, pour la précision, tu... Merci. Non, mais enfin, c'est une info comme une autre. Il n'y a pas de souci. Tu vois quoi, tu vois là, comment c'est arrivé de Mehdi? Est-ce que, en fait, vraiment, là, pour la question, pour être franc, est-ce que toi, ça te parle en tant que joueur, ce genre de choses? Bah déjà premièrement le fait que les deux médias en gros se réunissent, moi je trouve ça super bien parce que, pas dire pour une fois, mais faire que dans la communauté deux gros médias, on va dire, soit téléclub, parce que non, enfin de l'ensemble plutôt, enfin c'est une centralisation du coup. Oui, c'est une centralisation, excuse-moi. Parce que j'ai deux, mais... parce que là, on est les deux en même temps. C'est pas le stress, c'est qu'on est les deux en même temps, excuse-moi. C'est juste, non, c'est, voilà, c'est, ça fait plaisir de voir que il y a un regroupement de la communauté, et je pense que même pour les joueurs, de voir qu'on s'intéresse à eux, moi, personnellement, je vois qu'il y a un média qui retransmet des matchs à moi, bon, même si là, c'est que la D1, pour, par exemple, des clubs. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, et puis ça, pour moi, c'est une avancée aussi dans le club pro. Oui, c'est sûr. Bon, ça a déjà été tenté, hein. Enfin, tenté, même ça avait été fait. Ça fait un peu méchant de dire tenté. C'était l'Estude, je crois, qui avait eu un projet comme ça. J'ai oublié le nom de l'émission, mais ça avait été fait, je crois. Après, toujours plus ou moins, hein, je pense à FIFA Club Tweet qui était, enfin, moi, que je trouvais hyper bien réussi. Il y a toujours eu des projets. Je pense, après, la difficulté, c'était de venir dans la longueur. Donc, pour nous, c'est facile de dire ça, c'est la première fois qu'on ressentit la longueur. Voilà, c'est ça. C'est qu'en tant que Club Pro TV, en tant que live, on faisait des lives, mais assez dispatchés. Un coup, trois dans la semaine, un coup, un mois et demi sans live. Et c'est pas fini. Ça continue. On va continuer comme ça, hein, je pense. Non, on va essayer. Moi, déjà, cette année, vraiment, j'en profite, je le case comme ça au passage. Je vais vraiment essayer de commenter plus de matchs. Parce que là, je sens l'engouement qui monte de plus en plus et une réelle envie, vraiment, voilà, moi, pour moi aussi, de ma part, d'en faire plus. Et là, mais du coup, voilà, avec Téléclub, du coup, voilà, ce serait un rendez-vous qui serait normalement hebdomadaire. Donc à voir. Mais après, comme voilà, c'est grâce à des médias aussi, comme du coup, la centralisation des médias comme MCP, qu'on pourrait peut-être arriver à mettre ça en place de manière régulière comme ça, puisque du coup, il y a quand même pas mal de travail, beaucoup de soutien, hein, sachant que tout le monde peut apporter sa contribution, comme il l'a expliqué. Même à Téléclub, d'ailleurs, hein, on passe à nous très rapidement, si vous souhaitez nous rejoindre, etc., pour faire diverses choses, on peut toujours en parler, n'hésitez pas, vous pouvez Téléclub, rejoindre Téléclub. Recrute.
Voilà, venez avec nous. Venez nous rejoindre. Que ce soit MCP, Téléclub, franchement, on est là, on est bien. Et c'est ouvert. L'heure des Si je midi. peux, si je peux juste rajouter quelque chose, le fait que la communauté des joueurs, etc., puisse intervenir aussi dans ce genre d'émission, bah l'intérêt est encore plus développé, je trouve. Et c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Parce qu'ils ne se sentent pas délaissés là, ils vont pouvoir leur voix va pouvoir être entendue. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Alors là, pour répondre à Kitoff, MCP, on va dire, c'est un petit peu le gang des médias du club pro. Voilà. D'accord, attention. Je pense que ça résume bien. Voilà, c'est tout le monde. Voilà, essaye de mettre la main à la pâte et de centraliser tout ça. Alors, l'émission de Yes que j'ai pas su me remémorer le titre, c'est Online Football Club, qui était donc 10 semaines de compète sur la saison 1 de FIFA 17. Donc, c'était à peu près à la même époque que nous, un an près. Et d'ailleurs, je sais pas si Snakerball tu veux le dire, mais au niveau des mercredis sur la chaîne MCP, pas LCP, hein, par contre, elle est pas sur votre télé sur LCP, ça marchera pas. MCP, il y a quand même quelque chose qui est très très sympathique qui va être prévu, non? Ouais, totalement. Ben, je veux dire, on va mettre. Bon, les annonces vont arriver petit à petit de toute manière. C'est vrai que avec, on va dire enfin, du moins l'arrêt de la compétition, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau parce qu'on comptait annoncer. Mais je pense qu'au final, même si j'étais contre cette décision pour diverses raisons, mais je pense qu'au final c'était une bonne décision puisqu'on a la mise à jour de IE, même qui on n'a pas encore les dates, mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre très rapidement, du moins je l'espère pour le bien de tout le monde. Mais clairement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, on a l'after du club pro qui va arriver tous les mercredis. Donc, là en gros, ça va être quelques matchs de LVP1, enfin, pardon, excusez-moi, de L1 qui vont être diffusés. Donc, généralement, ça sera des têtes d'affiche. Après, je ne sais pas comment vont fonctionner Jesse, You et Benny là-dessus, mais ça sera commenté du coup par You et Benny. Et on aura une sorte d'émission après match, un petit peu comme la vôtre, hein, qui est censée du coup, entre guillemets, recentraliser un petit peu les matchs, faire des petits débats autour du club pro. Et on va dire qu'il va y avoir pas mal de choses pour animer le club pro. Et tout ça va nous permettre surtout dans un but commun de faire du contenu club pro et par ça, du coup, être actif sur les réseaux sociaux et puis faire parler du club pro, même à des gens qui ne connaissent pas forcément le club pro, mais c'est aussi montrer que notre communauté, elle est là, qu'elle est soudée et voilà, et qu'on peut se développer, mais grâce à notre communauté. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses négatives sur la communauté et je pense que l'élan qui a été lancé aujourd'hui. Sur le vraiment de se recentraliser, de se regrouper. Je pense depuis que je suis arrivé, moi ça fait à peu près un an que je suis dans la commune. Je pense pas que ça a été fait à ce point-là et il faut surtout continuer. Il faut vraiment continuer et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Voilà qui est bien dit. Pour être plus, enfin pas plus clair, mais pour bien décrire, donc c'est le mercredi, il y aura les lives avec Yestud vient de le dire, des joueurs qui devraient venir jouer en live dans le studio, parce que c'est Alors, vrai que c'est voilà. filmé, hein, ça c'est vraiment un Moi, plus moi, que. alors, moi, moi, je rebondis. Alors, moi, si tu veux, on peut s'arranger, Istude. Moi, je peux jouer et commenter en même temps dans ton studio. Ça me va. Ça c'est une vraie performance, c'est du livre de record direct. Hein. Mais bon, pour cela, il faudrait que tu sois titulaire, JK. Tu as Oui, oublié. ah oui, mince. C'est dommage. Bah, ce soir, il l'était, donc ça va. Ah. En tout cas, donc il y a oui, voilà. On disait le mercredi, le live et l'after, et un JT le vendredi, je crois, donc sur la chaîne MCP. C'est ça, je confirme. Voilà. On a parlé médias, on a parlé FVPA, on a fait les résumés. Il nous reste une chose. C'est ce qu'on voudra faire. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à venir nous contacter sur @clubprotv. Les DM sont ouverts sur notre Twitter. Pour le message de la commune, en fait, c'est tout simplement, voilà, c'est basé sur le volontariat. Si vous voulez venir, vous pouvez. En fait, c'est tout simplement si vous voulez dire quelque chose, se plaindre de quelque chose, ou alors au contraire, que vous appréciez quelque chose. Quoi qu'il en soit, si vous avez un message à passer, vous venez, on vous laisse 5-10 minutes. Bon, Balou, il aura 10 là, parce que c'est Balou quand même, voilà, bon. On vous laisse 5-10 minutes pour venir, pour vous exprimer, et ça peut même donner lieu à du débat, honnêtement, il n'y a pas de souci, après, je sais Voilà, pas, ça faut voir indiquer. on aura notre petite catégorie. Alors, comme on sait, on est très ouvert. On aura notre petit encart message de la communauté, des coups de gueule,
des choses à dire, voilà. Voilà, simplement. Voilà, c'est le message à la commu. Je voulais rajouter autre chose, mais en fait, voilà, si vous avez quelque chose à dire, que vous pensez que ça doit être dit en live ou autre chose, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut organiser ça, passer un message ou autre. Sauf par contre si c'est contre JK, Mehdi ou moi-même. non. non. On va remercier Bam Snakerball qui est là. Peut-être que tu veux rester avec nous pour entendre cette annonce qui va arriver de la part de Balou et Kedo. Bah ouais, bon, si ça... bon après de toute manière je suivais votre live donc mais pas de soucis. tu vas entendre ce qu'ils vont dire. Je suis en première loge, c'est ça. Ah ouais, là. ça te paraît bon pour qu'on les déplace, JK? Allez, voilà, on va faire ça. Les voilà qui arrivent. Un par un. Ah, on en a perdu un dans l'histoire. Il y a plein de bruit là. Bonsoir, Kedo. Ah putain, il y a plein de tududu de partout là. Non, désolé, je vous écoutais en direct et j'ai le souci d'avoir le son en retour. Je ferme. Bon. Installez-vous. ouais, on prend place. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Ouais, l'invitation comme ça rapide, ça fait mal. Bienvenue à Téléclub. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Balou, bonsoir. Merci à toi aussi de nous avoir rejoints. Alors, donc simplement, pour une petite précision, Balou qui est donc le manager de JK et de Mehdi, donc s'il y a des excès de respect de la part de JK et Mehdi, c'est volontaire. J'accepte les coups de tatane. Oh. On s'occupera de Suzanne après. Quoi. Alors, bah, tout simplement, ouais, voilà, c'est vous inaugurez le message à la commune, on est très heureux, puisqu'en plus, c'est pas pour dire n'importe quoi, là, franchement. Donc, bah, on vous écoute, ça concernerait IFVPA, allez-y. Kedo, j'y vais ou t'y vas? Oh bah, c'est, on va dire toi d'abord, t'as voulu te mettre en avant depuis le début, alors vas-y, assume maintenant. Donc voilà, moi je tenais à venir au nom de l'IFVPA, bon, pour refaire un petit peu l'histoire, ça fait 2 ans maintenant que je m'occupe de l'IFVPA, et depuis cet été au niveau de la Coupe du Monde, j'ai tout réadministré, et on a vraiment, je crois, plus de 60 pays. Donc avec l'annonce de FVPA qui retirait ses sélections nationales, qui arrêtait les compétitions européennes, bon, mon souhait n'a jamais vraiment été de m'accaparer l'équipe de France pour moi tout seul. Mon souhait, c'était de pouvoir donner à la communauté la possibilité de continuer les compétitions IFVPA. Maintenant, on va pas refaire toute cette histoire pendant 50 000 ans. Aujourd'hui, il y a un constat. C'est heureusement que finalement je me trouve dans cette position-là pour pouvoir éventuellement refaire tourner cette équipe de France à la communauté. Et c'est mon souhait. Donc, je vous avouerai que voilà, ça n'a pas été des discussions toujours faciles avec Eric, avec Kedo. Malgré tout, aujourd'hui, je peux annoncer officiellement que l'IFVPA et FVPA eSport, au niveau des sélections nationales, on va retravailler ensemble. Et donc, la communauté va bénéficier de l'IFVPA France pour les prochaines étapes qui arrivent, donc un euro au mois de janvier et une très très grosse Coupe du Monde, parce qu'en plus on est sur l'année de la Coupe du Monde également, et une très très grosse Coupe du Monde où il y aura quand même pas mal de médiatisation autour, qui va se faire je pense au niveau du mois de mai là, donc à la fin de l'année. Alors donc, juste coupe avant de continuer, donc ce qui voudrait dire que ces années entre guillemets de tension entre IFVPA et FVPA seraient donc terminées alors? À mon avis non, c'est pas terminé. Vas-y, continue. En fait, il faut bien comprendre, c'est que c'est moi tout seul qui assume le fait de refaire une fusion et de revenir dans l'état normal des choses. Oh, Juan, donc le patron de l'IFVPA, n'est pas forcément au courant de ma démarche. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas forcément cacher, mais je ne vais pas trop l'ébruiter, histoire que ça ne puisse pas engendrer de soucis au niveau de nos sélections. Ce qui est bien, c'est que Balou, il se dit, je vais faire une annonce. Bon, faut pas que ce soit trop vu, du coup, je vais chez Club Pro TV, comme globalement. Ça va être... Pour l'instant, je le laisse comme
Je rassure, Juan, il parle pas français. Donc, à partir de... Ah oui, bon, bah, ça va alors. Donc voilà, donc, au niveau de comment ça va se passer, parce que je pense que vous allez avoir quelques questions. Avant, je laisserai peut-être parler Kedo, hein, si tu veux enchaîner sur deux, trois petites choses. Ouais, mais tu fais mal, là. J'aurais jamais dû te laisser commencer. En fait, le constat, il est parti assez simple pour moi. À la base, c'est pas Balou, machin, ou EVPA, IEVPA, etc. C'est de voir les gens entre les différents représentants français sur les différents sites qui arrivaient à se tirer dans les pattes. Donc, je suis allé voir Balou ainsi que tous les autres représentants, donc Brazuca, Madri, etc. Enfin, sur les différents sites potentiels où il pourrait y avoir des équipes de France, pour essayer de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une charte, quoi. Aussi bien une charte de bonne conduite que charte de fonctionnement des équipes de France. Ouais, comme au lycée, quoi. Même projet. Je sais pas si c'est comme au lycée ou ailleurs, c'est juste le principe. Là, vous nous avez tanné avec un regroupement de tous les médias, c'est une très bonne chose pour l'ensemble de la communauté. Les équipes de France, de voir que entre Français, les gens sont capables de se tirer dans les pattes, je trouve ça totalement aberrant. Donc, partir de ce constat-là, bah oui, l'IFVPA avait une équipe de France, FVPA avait une équipe de France. Historiquement, ça a été pendant un certain temps, longtemps ensemble. Faut quand même préciser que Balou a été champion du monde, mais il représentait l'équipe de FVPA France sur le site IFVPA. Je tenais à le mettre quand même. Donc ça existait, tout ça, ça existait. Donc après que Balou il prenne l'initiative, bah, il en a déjà pris l'année dernière avec différentes choses. Ça a marché plus ou moins bien. Ça s'est vu d'une manière assez conséquente quand même. Et là, bah, maintenant. Autant essayer de continuer, d'avancer, etc. Donc bah, c'est comme pour tout, il va y avoir des gens qui vont faire les haters, etc. Ça, c'est... Non, mais après, qu'on se le dise quand même, on est quand même une grosse majorité quand même à se dire que c'est une bonne chose. Je pense, à mon avis, hein, parce que c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise chose, sachant que entre IFVPA, donc représentant des équipes nationales, et la FVPA, les joueurs font quand même un championnat toute l'année sur FVPA. Il n'y a pas de championnat sur IFVPA. Il n'y a pas normalement ce qui est prévu. Ça, c'est le truc que Balou il a dit, je crois que ça n'a pas compris. Nous, on a été assez clair. Si on prend l'histoire un peu VFO, VPN a signé VFO, FVPA a signé VFO. C'est-à-dire que logiquement, on était censé travailler ensemble. Les aléas, ils font que pour l'instant, ça ne marche pas, mais l'accord, entre guillemets, de principe, il existe toujours. Donc, nous, on n'organise pas de compétition européenne. On laisse faire ça, des compétitions européennes et internationales, on les laisse faire à IFVPA. Mais la condition de notre côté, c'est qu'il n'y ait pas de championnat français sur le VPN. Ça, c'est clair et net. Donc, l'équipe de France, elle ne sera pas faite d'un championnat VPN. Donc, le constat, il est que bah, Balou, il a ses entrées à l'IFVPA. Le reste, la communauté, elle est sur FVPA. Et sur les autres sites, d'ailleurs. Voilà. Donc, pour aller un petit peu plus loin, voilà, c'est vraiment une réunification de toutes les équipes de France qu'on va essayer de faire, hein, voilà, notamment VPG et peut-être UVFA, pour vraiment avoir une certaine crédibilité aux yeux des gens qui sont entière. Parce qu'à un moment, il faut arrêter, on ne peut pas avoir trois équipes de France sur un mode de jeu. C'est du grand mais n'importe quoi. Donc, du mais coup, je pense qu'il y en a même une quatrième avec IFPVA, je crois, qui est marqué sur Twitter. C'est JK qui a mis ça. Ouais, bon, hein. Quand on gère 18 choses à la fois, c'est pas facile tous les jours. Hein. Ah, ça, je te l'accorde. Donc, par rapport à ça, bon, on a réfléchi un petit peu de bah, qui va être sélectionneur, etc. Bon, du coup, bah, je vais me mettre sélectionneur, je vais m'auto-proclamer. Le salaud. Non, je déconne. Donc je vais vous annoncer voilà. en direct comment ça va se passer, parce que tout va aller très très vite. Hein. La compétition arrive en janvier. Bon, sous réserve qu'on arrive à se faire des demandes de matchs amicaux, clairement. Bien sûr. Il faudra être prêt. Ouais, parce que si on n'arrive déjà pas à se rencontrer entre joueurs français là, pour aller chercher des joueurs au Mexique, je te raconte pas. La main j'arrive. Donc en fait, il faut déjà savoir que bah, l'ensemble des équipes de France seront régies par une commission de contrôle multisite. On ne sait pas encore qui, quoi, comment, etc. Mais on va faire une espèce de commission pour pouvoir contrôler ça proprement. Donc le sélectionneur...
Ouais, Juste, vas-y. tu peux répéter, s'il te plaît, parce que c'était tellement beau à entendre. Commission de l'ensemble de faire, de France. Tu veux que ça soit administratif ou quoi? L'ensemble des équipes de France seront régies par une commission de contrôle multisite. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura une commission qui va contrôler tout ce que l'équipe de France va faire. Et cette première, la première étape, c'est l'élection du sélectionneur. Donc, le sélectionneur sera élu par les GM des clubs de chacune des communautés. C'est-à-dire, même un club VPG, le mec qui a son capitaine dedans, il pourra participer au vote du sélectionneur. Parce qu'il faudra bien comprendre que cette équipe de France-là, je ne vais pas dire, on ne parle pas de légitimité, mais c'est celle qui va être mise le plus en avant. Donc nous, ce qu'on veut, personnellement, ce que je veux, et là où EVPA Esport me rejoint, c'est vraiment que la communauté s'approprie cette équipe de France. Et pour que cette communauté se l'approprie, il faut déjà commencer à la base avec une élection. Donc ce ne sera pas moi sélectionneur, ce ne sera pas, Kedo, ce sera, voilà, ce sera des gens qui vont élire ce sélectionneur. Alors, donc les candidatures, elles seront libres, elles seront ouvertes très très prochainement à tous, sous réserve d'être un membre actif des sites de compétition. Voilà pour le départ. Je précise quand même, parce que Balot il a l'air de s'enflammer un peu, je précise quand même que tout ça pour l'instant c'est en discussion avec les différentes personnes. Il n'y a rien qui a été acté totalement. L'élection, on est sûr que sur FVPA, IFVPA, ça se fera, etc. Ça, on s'est mis d'accord avec Balou de toute façon. Mais pour tout le reste, le truc multisite, machin, etc., etc., ça, c'est encore en discussion. Il y a une charte à mettre en place. Les gens, on leur impose rien. S'ils veulent adhérer, ils adhèrent. S'ils veulent pas, bah tant pis. Hein. Voilà. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. En créant une équipe de France, ça... enfin, c'est un peu une facilité, mais en disant je crée une équipe de France, je me donne une certaine légitimité automatiquement. Enfin, après, c'est vrai que vous êtes obligé en fait, de négocier avec des gens qui s'approprient une légitimité juste en disant que vous représentez un site. C'est un peu ça en fait. Ouais, mais si tu prends le truc comme ça, VPG, ils ont un championnat. Bon, oui. Qui a le niveau qu'il a, machin, la manière que c'est géré, qui est géré, ça c'est, je connais même pas, j'ai jamais foutu les pieds dessus. Mais le site, il existe. La représentation qu'ils ont, ils ont négocié VPG et ITFA pendant l'été. Hein, j'en ai entendu parler avec le responsable ITFA en fin juin, début juillet, avant que je me tue en fait. Et ils en sont arrivés à un accord. Bah, tant mieux pour eux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est une équipe de France. Si on veut que tout le système français soit légitime, faut que tout le monde discute ensemble. Si les gens ils sont d'accord, tant mieux. S'ils sont pas d'accord, tant pis. On sait que de toute façon, FVPA et IFVPA le feront. On va les déboîter. Ça fait. Donc, c'est soit ils sont d'accord, soit ils sont pas d'accord. On force pas, on n'oblige pas. C'est un peu comme votre principe. Vous êtes le gros média maintenant, faut faire avec. Bah, c'est comme ça, vous forcez pas, mais vous l'avez fait. Bah, nous, ce sera un peu la même chose. Vous, je sais pas qui tu parles, mais nous on a rien fait. Hein. Bah, vous êtes dedans, sauf si vous êtes en train de dire le contraire, mais je pense pas. Donc vous êtes dedans, donc vous êtes. Il y a des gens qui organisent et puis il y a des gens qui rejoignent. Bah, c'est un peu le même principe de ce qui se passe là. Moi, je profite de plus être admin pour me dévouer légèrement à autre chose avant de lâcher complètement l'affaire. Quoi. Bah, c'est un beau combat, voilà. En tout cas, hein, puisque c'est. J'ai proposé ça. Bon, en tout cas, voilà, dites-nous déjà ce que vous pensez de cette proposition. Est-ce que ça va plutôt dans le bon sens? C'est avoir un petit peu vos retours, hein. C'est un peu le principe, de l'émission. En tout cas, on a Anna qui a déjà des supporters. On peut le voir dans le chat. Faut qu'on aille à la PGW. Hein. Il doit m'amener. Alors voilà, du coup, voilà, donc ouais, moi, de mon point de vue, si une telle chose arrive à se mettre en place, je pense que c'est quelque chose qui vraiment irait dans le bon sens. Et après, voilà, comme tu dis, ça risque peut-être d'être compliqué à mettre en place au niveau de la charte. Mais du coup, dans cette idée-là, c'est quel GM voteront toutes les divisions, les premières divisions? Tous les GM de VPA déjà, ça c'est une certitude. Ouais, si on parle uniquement FVPA, IFVPA, c'est tous les clubs qui sont actuellement inscrits. Ils ont un GM et ils ont le droit de vote, comme ça a été fait l'année précédente, etc. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Après, c'est... Bon, franchement, quand j'entends Balou parler
de crédibilité, de toute la commu derrière une équipe de France. Enfin, je sais pas vous les gars, mais moi ça fait peut-être 2 ans que j'attends d'entendre un discours comme ça. Franchement, je trouve que c'est juste énorme et c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Je sais pas quels sont les intérêts de ceux avec qui vous négociez ou quels sont les arguments de ceux qui veulent plusieurs équipes de France, mais c'est juste, on attend juste que ça, de tous rêver derrière une putain de Coupe du Monde. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique et franchement, il faut que ça se fasse parce que ça peut en plus donner un élan énorme au club pro, quoi. Maintenant, le truc, c'est que tu vois, à titre personnel, j'ai aucun intérêt à faire ça. Vous avez très bien vu que voilà, même sans un FVPA, même entre guillemets sans la communauté, je suis capable de sortir voilà quelque chose de mon chapeau. Mais malgré tout, là non, c'est tout, c'est fini. Il faut que ça redevienne l'équipe de France de la communauté FVPA eSport. Et il faut qu'on retrouve cette légitimité au niveau de tous les joueurs. Parce que cette équipe de France, j'en suis conscient, même s'il y a des mecs du 1 contre 1 qui sont venus et qui nous ont donné de la visibilité, elle appartient au club pro. Et ce n'est pas des gens du 1 contre 1 qui doivent venir. C'est voilà, c'est nous qui devons nous représenter. Donc à partir de là, voilà, j'espère que la communauté, elle suivra, qu'ils vont voir tous les efforts qu'on a fournis pour arriver à ce deal. Et voilà, moi, tout ce que je souhaitais, c'est donner un héritage assez sympathique. Et ensuite, voilà, y a toute une partie médiatique qui va arriver derrière et qui va être très, très sympa à suivre. Donc voilà, il y a cette commission qu'on va mettre en place. Il y a également, quand le sélectionneur il sera élu, voilà, il y aura une charte. On est en train de discuter quelques points. Je peux parler, par exemple, tu vois, le sélectionneur et son staff, ils seront obligés de demander, tout ça c'est entre parenthèses, hein, c'est vraiment encore en discussion, les sélectionneurs et son staff, ils sont obligés de demander au club de son championnat, donc Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, à chaque GM, un joueur par ligne pour l'envoyer faire des tests en équipe de France. Donc c'est-à-dire que voilà, on va essayer de s'approprier cette équipe de France au niveau de la communauté pour que cette équipe de France, les gens puissent l'aimer et disent voilà, moi j'ai fait un test ou j'ai fait deux, trois matchs et puis derrière on pourra peut-être créer une sorte de coordination et il va y avoir un gros impact. Il va y avoir un Voilà. gros impact. Alors, du coup, pour résumer, on essaie de faire une réunification. Le poste, donc, du coup, de sélectionneur est ouvert à toute candidature. Élu par les GM des sites. Bon, pour l'instant, on est sûr pour FVPA On va et dire IFVPA, à voir pour les autres. sur les propos de Balou, pour l'instant, lui, il ne parle que de IFVPA, FVPA. Voilà. Parce que plusieurs fois où il a dit des trucs où en fait ça tient compte uniquement de cette petite sphère-là au départ. Voilà. Après, à voir si Tout le d'autres reste veuillent se après, joindre. quand je lis ce qui est marqué, par exemple, il y a Nuts qui a marqué un truc sur des équipes espoirs, machin, Voilà. etc. Bah, en fait, le principe de réunir tout, ça revient exactement à ça. On va pas dire qui est l'équipe première, qui est l'équipe machin, ça se fera par rapport à la globalité du système et bon, je dis rien. Hein, même si je pense que beaucoup de gens le partagent, mais je veux pas le dire comme ça. Ouais. Non, C'est sur le principe, c'est bien sûr que les équipes U20, U20, U18, enfin U17, U15, je sais plus, moi je suis au vieux truc, pupille, minime, poussin, cadet. Bref, toutes ces équipes-là de France, elles existent. Donc il n'y a aucune raison que ça n'existe pas sur le système du club pro. Après, on ne va pas le nommer comme tel, on ne va pas dire tel site c'est l'équipe espoir, tel site c'est l'équipe U machin. Non. Mais que chaque équipe représente aussi la France sur ses compétitions européennes. Maintenant, on va être très clair, sur une Coupe du Monde, il n'y a pas à chier. Hein. L'an dernier, on était en concurrence les uns avec les autres, avec FVPA et IFVPA. Il y a eu deux Coupes du Monde. Maintenant, on va être honnête aussi. Avant, les Coupes du Monde, c'était sur IFVPA, donc ils ont un passif un peu plus important. Donc l'équipe qui sera sur FVPA ou IFVPA sera grosse équipe. En toute logique, la majorité de la Bah ça, communauté ça, était sur ça, ça FVPA. reste, ça reste ce qui est entre guillemets le plus logique dans la C'est ce qui continuité est de tout ce qui a été logique. fait dans toutes ces années et au niveau Voilà. du nombre aussi, hein, je veux dire, il n'y a qu'à voir la Ça dernière reste logique. IFVPA, ils savaient plus quoi faire des équipes, on a fini presque avec des poules de 6. Voilà.
Mais bon, Ouais. à côté de ça, bon, ça va être une organisation de ceux qui organiseront les compétitions internationales, mais la représentation française se fera par les membres du club pro français, quoi. Voilà. Ce sera pas un truc qui sera, même s'il y aura peut-être des guests à la limite, histoire de dire que, mais ce sera le club pro. Tu l'as dit, il y a pas un peu avant de le dire. Ah ouais, mais j'aime pas, parce que si je suis trop direct, après, on va me taxer d'être trop direct, bref, on n'en veut pas de régler un contre un. De toute façon, tout ça, c'est en discussion, donc voilà. on est avec les têtes pensantes, voilà, de comment on doit prendre. Et voilà, mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on va insister, c'est-à-dire, si tu veux être joueur de l'équipe de France, il faut l'obligation de ne pas avoir joué dans une autre sélection depuis au moins 2 ans, quoi. Parce que si le mec était au Maroc l'année dernière, il n'y a aucune question qu'il arrive en équipe de France. Là-dessus, on est bien d'accord. Ah, tu lises mes dits, là. T'as compris les dits ou... Ouais, il n'y a pas de souci. Je suis attaché à ma sélection de toute manière. C'est pas grave. Voilà. Je sais que ça sera une très belle équipe de France, quoi qu'il arrive. Ah, donc on a pas mal de choses. On a Kitov qui nous dit que ce serait pas mal d'avoir une équipe A, une moins de 21, une moins de 19. ça va être un peu compliqué. Vétérans. Après, on peut faire les vétérans, ouais, aussi. Ouais, mais là, bah pourquoi pas, moi je veux bien, j'en suis. Mais pourquoi en fait ne pas comprendre qu'il y a quand même un minimum de 5 à 6 000 joueurs globalement qui font du club pro français, quoi. Ouais. Bah, 5 ou 6 000 joueurs, c'est une grosse communauté. On a la possibilité d'avoir plusieurs équipes. Pourquoi ne pas le faire non plus et légitimer chacune d'elles par rapport à ce qu'elles font sur leur site et leur machin. Hein, c'est Matt qui disait tu pourras pas empêcher les différents sites, et tant mieux, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir jouer à son niveau, à son truc, à ce qu'ils oui. ont envie. Oui, bon, après, voilà, le truc, c'est qu'il faut aussi pas... Moi, ce que je pense... Alors, moi qui reste en général très neutre, hein, je veux dire, quand il y a eu les Coupes du Monde... personnellement, okay. on a fait du EVPA, on a fait du ITFA, on a vraiment, voilà, on n'a pas voulu dire tiens, telle sélection est la meilleure, telle sélection est la meilleure, mais clairement, l'équipe de France, entre guillemets, ça reste une équipe de France. Je veux dire, dans la vraie vie, on fait pas cette équipe de France pour que tout le monde puisse jouer. Tu vois ce que si on comprend un peu mon propos, c'est censé, entre guillemets, être l'élite et représenter les meilleurs joueurs de France. Donc voilà, c'est dire ouais, il y a 23 joueurs, bah ouais, il y a que 23 joueurs malheureusement sur 5000, mais c'est parce que c'est entre guillemets, c'est censé être l'élite, on est censé mettre les meilleurs pour gagner à la base. Donc une France Espoir, ça me dérange pas, mais on peut pas non plus voilà créer trop d'équipes après ça perd du prestige, quoi. Je veux dire, après c'est plus ouais, une équipe de France, bon, quoi. Pour l'instant au total, il y en a combien? Il y avait IFVPA, FVPA, ITFA, VPG. Là, il y a UVFA qui est arrivé. Il y a un nouveau là aussi. Ouais, UVFA. UVFA, ça s'appelle. Ouais, enfin, c'était le truc. C'est parce que là, il y a un truc en ce moment qui tourne dans mes notifs. Il me semblait que c'était pas ça les. Ouais, il y a PRFFR. Ouais, j'ai cru voir. Non, mais il y a plein de choses, il y a plein de machins, il y a plein de trucs. Bref, ça fait quoi? Ça fait maxi 4 équipes pour l'instant. Bah, je suis désolé. Hein. France A, Espoir, U20, U18. Tout ça, ça existe déjà en vrai. Ouais, voilà. Bon, bah alors. Non, mais mieux, c'est... Peut-être réfléchir, voilà. Mais voilà, mais voilà, graduer la chose et mettre en place une structure, c'est quand même... Voilà, on comprend mieux les choses que... Dans un premier temps, on n'a pas besoin non plus des U20, des machins. Le vrai football, si vous voulez prendre ça comme exemple, au début, t'avais qu'une seule équipe. Hein, c'est pas arrivé non plus direct. Je pense qu'il faut déjà imposer le format des A, et après, peut-être voir les autres. Mais franchement, déjà, imposons un A, non? Bah, de toute façon, FVPA, IFVPA, bon, allez, on va le dire, c'est FVPA qui est le plus gros site de compétition en France, bon, bah voilà, c'est là où il y a le plus gros niveau, bah voilà, après, bah, les compétitions internationales où il y a le plus gros niveau en termes de volume et de machin, c'est IFVPA avec le nombre de sélections nationales qu'ils ont, voilà, bah, c'est là où il y a logiquement le plus gros niveau, quoi. Donc oui, on va le dire, FVPA, équipe A, et puis après le reste, on verra, bah, on va en discuter avec tout le monde. Et si on fait ça, c'est clairement pour aller chercher la Coupe du Monde. Ça, c'est clair et net. Donc oui, les espoirs, etc. Ouais, ce sera bien beau, mais arrive un moment, hein, il ne faudra pas bégayer sur le terrain et mettre que des tueurs à gages. Et derrière, c'est pour aller éclater l'Italie et tout ce qui s'en suit. Il y a beaucoup, on sent l'ancien sélectionneur, là. Ouais, non, c'est bon, j'en ai ras le bol. Ah là, on le sent, là, putain, mec. On le sent, le gars qui a du vécu dans la sélection. Non, c'est clair. On est tous en train de se, de se,
se masturber les uns sur les autres. Et derrière, au niveau international, on n'y arrive pas. Donc, tiens, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Il faut également qu'il y a également une Champions League et une Europa League qui va être mis en place par EVPA. Donc, les clubs de EVPA eSport, pareil, seront invités. Voilà, ça, c'est en discussion pour vous dire. J'ai même pas encore parlé de ça à Kedo. Mais il y a une Champions League et une Europa League qui va arriver. Et voilà, les gens qui sont qualifiés, les trois premiers de la Liga l'année dernière. Donc, je crois qu'on a l'Estu, on a Roku et Walt Disney. Voilà, ils seront invités. Après, libre à eux d'accepter ou pas. Quoi. Mais on revient sur quelque chose de cohérent. Maintenant, les joueurs de l'équipe de France, ils vont avoir des droits, mais également des devoirs. C'est-à-dire qu'arrive un moment, pour être crédible, il faut qu'on voit la tête des joueurs. Le mec qui veut venir en équipe de France et se cacher derrière son PC, ce sera plus possible. C'est-à-dire qu'il faut une photo d'identité obligatoire pour faire sa carte de l'équipe de France. Au moins, les gens, ils arrivent à voir l'humain. C'est ce qu'on avait fait, nous, à l'IAVPA. C'est pour que les gens arrivent quand même à s'identifier aux personnes. Et on doit passer à une étape supérieure. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on va mettre en place, avec pas mal de choses et avec pas mal de personnes. Et voilà, il faudra que les gens respectent scrupuleusement ce qu'on leur demande. Quoi. Mais tout va être réfléchi, franchement, avec l'expertise de EVPA eSport, mon expérience et voilà, la demande et le besoin de la communauté, je pense qu'on va faire quelque chose de très, très lourd. Et franchement, je suis vraiment content d'avoir réussi à trouver un accord pour qu'on puisse de refédérer derrière une équipe. Mais par contre, là, il faudra vraiment qu'on fasse bloc ensemble et qu'on tire tous dans le même sens pour que ça marche, quoi. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour parce qu'on va finir, on va finir par se mordre la queue si on continue. Ah oui, ça ne nous regarde pas ce que vous faites après. Un mec, le parc, les joueurs de Walt Disney vont composer l'équipe de France. Rassurez-vous, les gars, on va mettre un quota. Voilà, ce sera 4, 5 ou 6 joueurs maximum. Non, d'un seul club en équipe de France. On a dit 3 au départ. Un par ligne, ça fait 3. Après, on verra. On va monter à 5 personnes, mais voilà, il n'y aura pas du tout de putain, voilà. Il faut jamais qu'il donne à négocier. Ouais. Il donne à négocier, mais il en a rien à foutre. Il donne quand même sa version en public. Arrête. Non, mais voilà, il faut savoir que ce sera l'équipe de France de tout le monde. Et il n'y a pas un club qui va avoir le monopole là-dessus. Ça, croyez-moi, je serai le premier au taquet sur ça. Et non, c'est vraiment fédérer les gens autour de ça. Et c'est très important pour nous. Et donc, on va mettre tout en place pour qu'on puisse arriver. Ah, voilà, ça va se réveiller. Voilà, un petit peu de mixité en plus. Voilà. Rapidement, Snakerball, juste comme tu es resté depuis 30 minutes, autant te donner pas la parole, juste autant rapidement, t'en penses quoi de tout ça du coup? Je pense que t'es content. Moi je pense que de mon point de vue, en tout cas, à l'heure actuelle, les sélections, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, c'est complètement décrédibilisé en termes de sélection, ça veut rien dire pour moi. Et le fait justement déjà que Balou et que Kedo, donc EVPA s'associent déjà, ça a montré l'exemple un petit peu, comme le fait des médias qui s'associent aussi, ça montre l'exemple. Et si ça peut encourager encore certains à passer cette étape-là de se réunir, entre guillemets, je pense qu'on y gagnera. Mais pour les sélections, oui, clairement, c'est clairement mieux qu'on n'en ait qu'une. Ça sera beaucoup plus simple. Non, mais clairement, je suis entièrement d'accord avec ça. Après, voilà, c'est plus la mise en place, je pense, qui va être compliquée avec d'autres sites comme hors IFVPA et EVPA. Mais en tous les cas, si ça se fait, j'espère que ça se fera, en tous les cas, pour le bien de la communauté. Ça me semble important. Mais après, si je peux me permettre, Snake, tu vois, pour dire toute la vérité, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'intègre et honnête, moi, je ne voyais même pas l'intérêt d'aller voir VPG, etc. Parce que, à quoi ça nous sert? On n'a pas besoin d'eux. Il faut savoir que ça, il y a des joueurs sur VPG. C'est dénigré. Surtout qu'il y a des joueurs, il y a des clubs, il y a des GM. Il y a des médias qui veulent rassembler. Ils ne parlent pas des joueurs, ils parlent juste de l'équipe de France en elle-même. Oui, mais voilà, l'équipe de France en elle-même, oui, je suis d'accord. Mais dedans, il y a des joueurs, dedans, c'est notre communauté. Et c'est des joueurs aussi, voilà, qui dedans, il y a des très bons joueurs aussi. Hein. Moi, j'ai passé un petit mois dans un club VPG, j'ai joué. Je dénigre rien. Je suis allé voir, j'ai passé un mois dans un petit club VPG. Bon, mais il y a des bons joueurs. J'ai jamais dit le contraire, sauf que voilà, tu réunis la puissance de IFVPA et EVPA.
On n'a pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour quoi que ce soit. Maintenant, c'est d'un intérêt commun. C'est fédéré, putain. C'est fédéré l'ensemble. Que les gens, ils arrêtent de se tirer dans les pattes, à dire « Ouais, nous, on est meilleurs, vous êtes de la merde, vous, c'est une équipe de copains, vous, c'est un truc machin. » Si tout le monde fonctionne sur le même système, c'est voilà, ça devrait avancer. Voilà. Ouais, voilà. Bon, sur ces belles, paroles, je pense qu'on a tous donné notre avis sur la question. Et on a sommeil aussi. Qu'on a fait le tour. après, je dis pas qu'il y en a qui se lèvent à 3h30, mais. Ouais. Mais oui. Donc. Voilà, bon, on a débordé forcément sur le timing, c'était la première, on a fait pas mal d'annonces, on a parlé de ce qu'allait devenir Téléclub, MCP, en tout cas, voilà, merci Balou et Kedo de nous avoir parlé un petit peu de cette annonce, donc forcément, bah, de toute façon, on reviendra vers vous hein, pour voir l'avancée et voir comment tout ça se goupille. De toute façon, on aura sûrement besoin de vous bah, pour que les sélectionneurs présentent leurs projets. Enfin, mais bien sûr, bien sûr. Moi, si tu veux, on fait peut se faire un petit débat aux petits oignons s'il faut. On peut faire un petit débat aux petits oignons. Voilà. Il y aura des choses à faire très sympas. Donc, en tout cas, c'est pas moi qui vais mettre les mains dans la mouise. Démerdez-vous avec votre équipe de France. J'en ai fait assez. je vous le donne, le cadeau empoisonné, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, les mecs, et bravo encore pour l'initiative. Puis voilà, s'associer également à Julia, Jessie, etc. C'est vraiment cool, un média fort. Voilà. Enfin, une réunification de tout ce qui se passe, de toutes nos forces. Et ça fait vraiment plaisir. Ah bah merci. Le, hein. Le plus dur reste. Pourtant, des fois, c'est pas facile. Les fois, nos invités sont un peu durs. Hein, mais, mais merci en tout cas. Merci beaucoup, Balou. Merci de venir. Merci, Kedo aussi. De rien. Bonne soirée. De nous avoir fait part de ton expérience aussi. Ouais. On va dire ça. Allez, voilà, on va remercier à tous ceux qui nous ont aidés. Hein, encore merci à Mehdi qu'on a perdu au fond du studio. Ah ouais, merde. Bah alors Mehdi. On a perdu Mehdi. Il est en train de chercher le but qu'il a pas mis dans son montage. On va remercier Sino qui est venu nous parler un petit peu aussi tout à l'heure. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent, qui nous soutiennent. Merci, merci à tous vraiment. Là, on revoit souvent les mêmes qui viennent. Ça me touche beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci à Freestyle, sans qui rien de cela ne serait possible. Bof, hein. En tout cas, merci à l'étudiant de test aussi, Yastud, qui a commenté le petit résumé. Et pour la semaine prochaine, j'avoue qu'on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire, puisque normalement, il n'y aura pas de match. Écoutez, on va réfléchir. S'il y a besoin, on viendra même 30 minutes, peut-être. Sinon, on ne viendra pas, je ne sais pas. Écoute, c'est trop tôt pour vous le dire. Mais ça on fait chier. On va laisser à l'équipe de France. C'est vrai que Balou, j'ai l'impression, j'ai vu ce matin sur une conversation de Discord, tu avais l'air de vouloir un petit débat sur l'équipe de France. Ah oui, oui, moi je suis au taquet là. Mais ouais, après c'est tendu. C'est vrai que JK par exemple, toi, c'est des sujets tendus. Voilà. Voilà, pourquoi, ça te chauffe, toi, JK, un petit débat la semaine prochaine? Ah, on peut y réfléchir en tout cas. On peut y réfléchir. Donc on va communiquer prochainement pour les candidatures, etc. Et ensuité les gens prendront le relais et la communauté. Voilà, de toute façon, voilà, suivez les médias, suivez MCP, suivez Club Pro, tout ça. Et de toute façon, vous aurez les infos. Et oublie pas de changer le truc, c'est marqué 23h à minuit. Hein. oui, c'est les prévisions, mais bon, c'est la première, c'est normal, et pas mal de choses à dire. Fallait présenter le projet. En fonction des gens. Ça sera plus succinct. Et bon, si j'invite pas Balou, normalement, on devrait tenir nos temps. Tu vois ça avec lui, il était dans son club. D'ailleurs, on doit se capter. Allez, bonne soirée à tous, merci. Allez, bonne soirée les gars, bonne merci soirée. À tous. Bonne soirée à tout le monde, ciao ciao. Merci encore à tous spectateurs qui nous suivent. N'hésitez pas à follow de partout, à nous soutenir, à partager tout ça. Et voilà, merci Freestyle encore. Alors Mehdi, est-ce qu'on l'a retrouvé ou est-ce qu'on l'a perdu à jamais? Mehdi, tu au revoir. Non, non, pas. Voilà, au revoir. Merci à tous, on se retrouve à bientôt pour un nouveau live, bien évidemment, et voilà, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours pour le club pro. Voilà, ça va être ma nouvelle devise, ça tient. Ah oui, c'est un peu Fort Boyard. On est pas mal. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live. Bon réveil, JK.